Salut à toutes et à tous, c'est Zoavix et on va continuer notre let's play sur Outlast. On est arrivé à l'épisode 3 pour ceux qui seraient en retard. Et donc là il y a un homme qui m'a ouvert la porte. Alors nous allons continuer. On va descendre par l'escalier. Et vous allez voir que tout ça c'est très glauque. Beaucoup. Oh putain, regardez leur visage. Je crois que c'était les mecs qui nous avaient coursé. Donc je sais pas pourquoi ils sont inoffensifs. Oh fuck this. Et je crois que lui il va se claquer la tête contre un mur. Je sais même pas pourquoi. Voici les traces de sang. Ah mais c'est quoi ce bordel? Ces traces de sang, on dirait un dinosaure. Mais ouais, un dinosaure, c'est complètement fou. Bon, on va ouvrir la porte, mais je sais même pas de quel sens il faut l'ouvrir. Ah voilà, comme ça. Hop, vision nocturne, bitch. Pour vous cacher. Ok, non, pas la peine de me cacher. Ok, par où il faut passer? Ça, je ne sais pas. Ah! Oh putain, je la sens mal. Ok, lui aussi il est fermé. Ok, lui il y a rien du tout. Il me fait pas flipper comme les autres. On ouvre, on garde. Rien du tout. Ah, ok. Ok, non, il y a rien. Ici peut-être. Ok, non plus. Bah, y a jamais rien, quoi. Alors, ici. Mais non. Mais toi, petit. Oh, ça, mais. T'es pas amical, toi. Tu veux être mon ami, 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 tu veux être mon ami. Mais s'il te plaît. Eh, tu vas te calmer, toi, d'où tu me pousses. Ah, loupé. Ah, enfin. Hop. Ah, fat. Ok, là. Ah putain. Oh, sa race. Il n'y a pas de jambes dans sa cellule, à lui. Ok, c'est où que je rentre? Ok. Ça commence à devenir très flippant. Mother of God, bitch. Et là, faut passer par où? Ok, en tout cas, pas par là. Faut peut-être ouvrir la porte. Non, bloqué. Ok, c'est pas le moment de stresser. Ah, je vous le dis, quand je vais finir ce let's play, je vais être très content. Je vais pouvoir passer aux autres let's play, donc les jeux what the fuck et autres. Donc, je sais pas, n'importe quel let's play sur un RPG. Bon, enfin bref, on va d'abord essayer de finir celui-là. Mais là, j'ai très peur de passer. Est-ce que tu me laisses passer, t'as pas? Comment on passe? Eh, t'es pas chapa. C'est par ici. Peut-être qu'il faut jarter. Ah, attendez. Une pile. Ok, super. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Non, on peut pas. Ok, bah en fait c'était par là qu'il fallait aller. Non. Pour accéder à une corniche, j'ai pas vu. Dans sa direction. Ok. J'enlève la vision nocturne. Elle sert strictement à rien et ça use des piles. Ok, on arrive là où il y avait les deux gens qui ressemblaient à ceux qui nous avaient agressés. C'est qui lui? Oh fuck. Ok, on active la vision nocturne. On peut passer? Non, on peut pas. Good news. Suivez les traces de sang vers la sortie. C'est quoi ça?
Non, 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 ouvre-moi, 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 s'il te plaît. Ok. Est-ce qu'il y aurait des piles ici? J'en suis sûr à 200%. On ramasse les piles. Ok. Et bah ça c'est super. 4 piles. Ok, on y va. Attends des gens. Ça commence à me faire stresser tout ça. Je pense qu'il va nous bouffer. Qui est ce jeune homme? Est-ce que vous pensez qu'il va nous sauter dessus? On s'approche, on s'approche, on s'approche, on s'approche. Monsieur, monsieur, venez en paix. Down the drain. Un document, ok, ça c'est cool. On trouve un document. Ok, ok, ok. Oh putain. Est-ce que là-bas il y a quelque chose? Non, rien du tout. Ok, bah on va descendre. Je sens qu'il y a un petit truc là-bas. Je sais pas, c'est une coïncidence. Un pressentiment. On fait une petite partie de Call of avant de mourir, ça serait sympa. Oh, ah non, c'est fermé. Tout le temps, je me trompe avec eux deux. They were experiments. They were rituals. Tu me fais flipper, mec. Y aurait-il des piles quelque part ici? Non. Rien du tout. Ok. En fait, je crois qu'on s'est pas trompé vu qu'il y a quelque chose ici. Non, en fait, il y a rien. En gros, c'est manger un gros vent. Ok, on va aller par là. Refermez les portes derrière vous, ralentira vos poursuivants. Donc, il y a des poursuivants, c'est ça. Ils vont bouffer. Merci de me rassurer. De bâtard. Ok, c'est parti. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Qui se trouve ici? C'est qui, c'est qui, c'est qui? Ok. On va essayer de pas se faire trop remarquer. C'est lui, c'est le mec. Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Suivez les traces vers la sortie. Je crois qu'on s'est gouré. Il n'y a pas de traces de sang. Si, si, il y en a plus un. Ok, à trois en cours. What, tu nous as rien fait? Oh, oh le troll. Oh le big troll. Ah oh, cet enfoiré, il nous a rien fait du tout. Putain, j'ai stressé pour rien, ça m'énerve. Ok, on va ouvrir. Même maintenant, j'ai même peur de mon ombre. C'est con. Tellement, what the fuck. Non, 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 non. Jimmy Cash. Jimmy Cash dans le... Non, aïe. Aïe, enfoiré. Ah, maman, maman, maman. Ils vont me défoncer ma race. Ah, ah. Faut que je trouve une cachette, faut que je trouve une cachette. Faut que je trouve une fucking... cachette. Des vestiaires, des vestiaires. Vite, cache-toi, cache-toi. Bitches. Tu m'as pas vu.
C'est pas où je suis, hein. T'as les balls, bitch. Je suis mis cache dans le vestiaire, dans les montagnes. Il ouais. Aïe aïe aïe, tu vas plus. Cortex les pyramides, toi-même tu sais. Tu te barres maintenant, s'il te plaît. J'ai envie de récupérer mes documents. Ok. C'est barré le pigeon. Prr, prr. Pigeon, pigeon. Est-ce qu'on tente d'ouvrir la porte? Ça me bat les couilles. J'ai ouvert quoi? Il est là, je l'ai senti, il est là. Il est tout proche. Ouais, il est là. Maintenant, comment vais-je faire pour sortir? Il est là, il est tout près. Hein? Pourquoi il est reparti? C'est une fan. Ah, l'enfoiré nous fait une fan. Je le sens, je le sens. Ah, c'est un coquin. Ah, il est malin. Au pire, non. Il ne peut pas de fin. Prisonnier, il est plus là. Comment ça se fait? Ok. Ok, on suit les traces de sang. C'est parti. Est-ce que cette porte est ouverte? Non. Elle n'est pas ouverte. Oh merde. Les deux prisonniers sont là. Les deux prisonniers qu'on avait vus, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour sauter, vous accrocher à puissance. À puissance, ça nous a déplacé vers la corniche. Attends, pour vous sauter, vous accrocher à puissance. Comment on saute? Ah, je me suis cité, bitch! Ah, mais non! Et là, du coup, faut que je passe par là, j'imagine. Ah non, mais nous on est des putains de Yamakasi. Oh, j'imagine que vous trouvez une fenêtre ouverte. Ok, bah elle. Ah, j'ai peur. Merde, ils sont plus là. Ouais, j'essaye même pas d'y aller là-bas. Pas une pile là, s'il vous plaît. Bande de bata, bande de petits bata. Hein, cette porte nécessite une carte codée. Ouais, elle écrit, me rassure pas du tout pour y aller. Cette carte codée se trouverait-elle ici? Se trouve tout près, très près. Oh merde, je la sens mal. Je la sens très mal. La carte magique de ces douches. Où douche? Pourquoi les douches? Faut que je revienne. Allez, cours. Ah, je veux pas me faire bouffer par le monstre. Ah. Ok, c'est bon. Showers, ah oui, ouais, c'est vrai. Showers est égal douche. Je suis très nul en anglais. Pour interagir. Screamer dans 3, 2, 1. Ou pas en fait. Ok, il y aurait des pieds pour moi, s'il vous plaît. Oh fuck, j'aime pas les cris comme ça. Ok. Alors, ce qu'on doit faire. Sortez par les douches. Ok. On avance à grands pas dans ce
Fait tout noir. Maman. Mother of bitch. Ah. What? 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 Rassure-moi, c'est dans l'histoire. Rassure-moi, c'est dans l'histoire. Ah. Attends, attends, stop, on arrête tout. T'es en train de me dire qu'il faut pas séparer. Ok, t'es en train de me dire qu'il faut pas séparer les douches alors qu'il y a deux personnes qui veulent m'assassiner. Comment je suis censé m'y prendre? Je sais pas moi. Regarde, il est juste là-bas. Ah, il m'attend. Il est là. Non. Aïe. Ah, ah, je meurs. Ah. Ouais, donc tu m'expliques comment il faut faire. Bon bah je crois qu'on va mourir plus de 10 fois. C'est super. C'est ce que j'attendais d'ailleurs. Je crois qu'il faut se dépêcher le plus possible pour s'échapper. Je cours, il court, le furet des papouas gelés. J'ai mis pas barre. Ok, ben. Mieux vaut. Oh oui! Oh, comment je suis intelligent! Oh! Oh, ok! Ah, je l'avais même pas capté la, la fenêtre. Pas vu, bitch. Y'a pas des piles là. Puis on s'en fout. Mais... Allez, bing. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Vaut mieux se barrer que mourir. Voilà le nouveau proverbe dans Outlast. Ok, j'ouvre la porte. J'imagine. Il y a le gros monstre pas beau qui se trouve là. Je m'en doutais. Oh non, une pile. Ok, c'est sympa de mourir en me laissant une pile. Ok. Je le sens, le truc, il y a un problème là. Aucun bruit, rien du tout. C'est super silencieux. Il va se passer un truc. What the god? Ouvre-toi! Aïe 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 aïe! Mais t'es sûr quoi? Ah! Maman, 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 maman! Fatih! Couillon! Il faut que je me barre, il faut que je me barre! Aïe 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 aïe! Mais comment on se barre d'ici? Oh! Oh, je... oh, mais je l'avais pas vu! Je l'avais pas vu! Je l'avais pas vu! Je l'avais pas vu! Il y avait un conduit d'aération. Ok. Ce jeu fait aussi réfléchir. Bitch, je m'y barre! Bim, y'a ma cassé, bitches! Bisous nocturne. Ah, oh, mais je parie que. Ah, ouais, bah non, tellement qu'il est gros, il pourra pas passer entre les conduits. Ok. Ah, ouais! Non. Oh la porte. Ah. What the fuck. Ah, je me suis cassé ma bite. Ah. Ah, fractus de la du pénis. Ah. Aïe. What? What? What the fuck? What the fuck? Ne me dis pas que c'est tous ces victimes. Bah, je pense que oui. Trouver un autre chemin menant aux douches. Ok. Un autre chemin menant aux douches. Oh, mais merde! Moi, je me cache mort. C'est impressionnant. Ok.
Ok. Oh merde, il est juste là, il est juste là. Il est toujours là de toute façon. Oh merde, je crois qu'il m'a capté. Ne me dis pas qu'il y a une reconnaissance vocale. Tu ne m'entends pas. Espèce de gros larve. Va maigrir. Au lieu de tuer des gens. En fait, je parie, il y a bouffé que des gros qui viennent de McDonald's. Tu sais, il y a bouffé le PDG de McDonald's, le directeur. Et un peu de chez Quick aussi, vu qu'il fait pas de jaloux. Et à manger du bon poulet braisé chez KFC. Parce que c'est un petit renois. Ok, on sort. Paris qu'il est là. Il est où cet enfoiré? Moi je me cache. Je vais rester toute ma vie en dessous de mon lit. Bon, je vous reprends dès que j'ai trouvé la soluce. Au moins, on avancera vite. Ok. A tout de suite. Re les amis, donc j'ai trouvé la soluce. En fait, faut juste échapper au monstre. Enfin, ça c'est logique. Mais plus sérieusement, en fait, faut attendre que le monstre passe à droite du coup de notre cellule. On monte dans les escaliers. Et après, vous verrez bien. Je vous spoil pas. Donc on va attendre qu'il passe. Oh non. On va attendre qu'il fasse encore un autre tour. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra partir. Moment de stress total. Ok. Je remplace mes piles. Tu passes ou pas, enfoiré? Allez. Plus ça muse des piles, mais allez, passe! Allez, allez. Ouais, voilà, c'est bien. Attends encore un peu. Et là, on se barre. Il est passé. Mais merde! Faut passer par où? Faut passer par où? Faut passer par où? Ok, c'est par là. Ah! Ok, c'est bon. Allez! Je me rends pas. Enfoiré. Oh l'enfoiré, comment elle m'a fait flipper. Comment ça? Comment ça s'est fermé? Bah, je passe par où moi? Ah ouais. Ok. Ok. Bon bah on va. Oh putain. Dégage, dégage, je veux pas te voir. Non, t'es pas beau, dégage. Dégage. Ouais. Non. En fait, faut que je trouve une pile. Parce que là, j'en ai... Ok, je l'ai trouvé. Super. Bon, maintenant, faut que je monte. Ah, mais si, surveille le truc. Faut que je monte par les liens entassés. Ouah, il y a ma cassure, ça va les couilles. Non, 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 dégage, dégage, dégage! Ah, dégage, dégage, dégage! Bitch! Ah, bâtard! Dégage! Fils d'enfoiré, je vais pas devoir, en plus, c'est moche. Allez, 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 traverse, traverse. J'ai pu être une seconde de plus ici. Pour ça, c'était depuis une corniche avancée, appuyé sur l'espace. Mais t'es pas sérieux là? Attends, mais j'espère que c'était fait exprès. Ah ok, c'était fait exprès, j'ai flippé.
What? Et là, faut aller où? Oh, document caché. J'arrive où ce mec vient de dire? Non, j'arrive pas. Je crois qu'il faut que je finisse par là. C'est inactive! C'est super! Bon, bah, faut que je continue par où du coup? Donc par là. Attends, faut que je recharge mes piles. Que ce jeu est compliqué, il faut réfléchir et ça j'aime pas. Donc faut continuer sûrement par là. Rien. Par les parages. Oh sa mère, sa mère, sa mère. Dégage, dégage. Non, non. T'es pas beau, dégage. Allez, 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 vite, traverse. Oh, 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 oh. Dégage, dégage. Oh. 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 Tu me rends pas, bitch. Je vous défonce tous. Oh, j'aime pas rester enfermé avec un fou. Je déteste ça même. Bon, du coup, il faut que j'ouvre la porte pour me barrer. Ok, c'est bon, on peut passer. Bloc D. Est-ce qu'il y a une pile ici? Non, il n'y a pas de pile. Faut que je trouve le plus de piles. Oh! Oh bah tiens. Ça commence à devenir glauc. Très... les gars. Si je fais une crise cardiaque et que j'ai arrêté ma chaîne, c'est tout à fait normal. Fuck. Speech. Ma vision nocturne ne va pas super loin. What? Oh, j'ai trouvé un truc. Oh yes. Je crois que je vais m'échapper en fan de cet asile de fou. En plus, ça fait exactement comme Rec avec Rec 3. Si vous avez pas regardé, je vous conseille d'aller regarder. Trouver une super moyen de quitter les égouts. Donc, ben, vous savez ce que je vais dire. Ça sera pour la prochaine fois. Pour s'échapper des égouts. Donc, je vous conseille d'aller regarder les autres épisodes si vous en avez manqué. Malgré que je devais dire ça plutôt au début, parce que du coup, vous avez vu l'épisode 3. C'est pas du tout logique, mais c'est pas grave. Donc, je pense que je vais faire une autre vidéo un peu détente pour un peu me relaxer de tout ce stress et de toute cette angoisse. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!